Good morning, allez, Yiden, et surtout aujourd'hui le Nishmat Richard de Ben Fortune Mazal et Claude, et Israël de Ben Fortune Mazal. Si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude du Mishnah contre les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Beitza, Perik Gimel Mishnavav. En Nimnin à la Behema, Lechatrila Beyom Tov, Aval Nimnin à la Meher Beyom Tov, Beshochatin ou Mechalkin Benehen. Rabbi Odomer Shokel Adam Bassar, Kenegeda Kli, O Kenegeda Kofitz, Vachachamim Mouim, En Mashgirin Mekaf, Mazlim Kol Ikar. On traduit directement, en nimnin à la behema, on ne se nommera pas sur l'animal, sur un animal, l'echatrila a priori, c'est-à-dire a priori pour la première fois, beyom tov pendant yom tov. Tandis que, aval nimnin alea me erev yom tov, mais on pourra par contre se faire nommer sur l'animal, on va expliquer tout de suite ce que c'est, veshochatin o mechalkin menem, et après pendant yom tov, on lui fait la shrita et on la partage entre nous. On parle de quoi exactement? C'est simple. On est par exemple 3 personnes, 4 personnes, allez. 3 personnes, et chacun veut prendre, un veut prendre un quart de l'animal, l'autre veut prendre un tiers, et l'autre prend tout le reste, par exemple, d'accord? Donc on va calculer, l'animal il coûte 6 shekels, 6, ce que vous voulez, 600 shekels, et on va se partager selon, puisque moi je veux prendre un quart, je paye un quart, puisque toi je vais prendre un tiers, tu prends un tiers, toi tu prends tout le reste, tu payes tout le reste, d'accord? Donc chacun en fait, on va acheter des parts. On va être nommé sur l'animal, c'est-à-dire qu'on va être, on va prendre des parts, chacun sa part sur l'animal. Moi, je vais prendre un tiers, toi, tu prends deux tiers, lui. Ok? Ça veut dire être nimnin. Alors, maintenant, il y a un problème de faire ça pendant Yom Tov, c'est-à-dire qu'en fait, on va aller acheter un animal, on va simplifier, on va prendre deux personnes, deux voisins, un qui veut prendre le tiers, l'autre qui veut prendre les deux tiers, il a une plus grande famille. L'animal, il coûte donc 3000. Donc, il y en a de payer 1000, l'autre, il paye 2000. Ils ne pourront pas, pendant Yom Tov, se dire, moi je prends je prends pour 1000 et toi tu prends pour 2000. On ne vous mentionnait pas pourquoi, parce qu'en fait, il va s'avérer qu'on est en train de faire du commerce. Et Chazal, enfin, on interdit de faire du commerce pendant Yom Tov. Pendant Shabbat et pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de faire du commerce. C'est-à-dire, je prends pour autant, tu prends pour autant, tu prends. Il faut absolument voiler le côté commercial de l'histoire, il faut se partager un animal, et puis après, à Motsé Shabbat, Motsé Yom Tov, on va se dire, bon, tu as pris plus ou moins comme ci, comme ça. Et on se partage approximativement. Mais pas faire du commerce que moi je prends 1 kilo, toi tu prends 2 kilos, donc toi tu payes tel prix, moi je paye tel prix, c'est trop commercial. Par contre, par contre, vous pouvez vous nommer si vous voulez avant Yom Tov, donc comme on a dit, deux cas de figure, soit avec on a dit le cas avec les deux voisins. Pendant Yom Tov, on ira chez Reuven lui acheter un mouton, et puis moi je prendrai un tiers, et toi tu prends deux tiers. Et maintenant, pendant Yom Tov, alors on se tape à la porte, on dit allez on y va, on va chercher le mouton, ouais, on va chercher le mouton selon ce qu'on a déjà convenu depuis avant Yom Tov, et on le prend et puis après on se partage, toi tu prends un tiers, moi je prends le deux tiers, là c'est plus aucun problème, parce qu'on ne fait plus du commerce, c'est quelque chose qu'on a déjà vendu, qu'on a déjà conclu entre nous, on n'est plus en train de conclure pendant Yom Tov, d'accord? Et donc c'est la Michal me dit qu'on pourra se faire nommer sur l'animal mais avant Yom Tov, depuis avant Yom Tov, le Shochatin, ou Mechalkin, Venehem, et pendant Yom Tov, on fait la Shrita et on les partage entre eux. Maintenant, comment le partager exactement? Alors bien évidemment, on peut le faire approximativement, c'est qu'il y a de mieux. C'est qu'on va dire, bon, ça fait plus ou moins le même volume que ça, ou plus, ou deux fois plus. Ça, c'est le top. Maintenant, c'est pas toujours possible, des fois il faut aussi peser. Et pendant une heure, on a le droit de peser, surtout pour vendre. Alors sur ça, la Michel va nous dévoiler une coula de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, « Chocal Adam Bassar, un homme pourra peser de la viande, Kenegel Akli, en le contrebalançant avec un ustensile, au Kenegadakopit, ou bien même contre une hache. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de... Puisque moi j'ai dit que j'allais prendre cet animal 3 kilos, alors je ne vais pas sentir la balance pendant Yom Tov en pesant 3 kilos. Il n'en est pas question. Maintenant, tu n'as pas demandé de m'en donner plus. Comment est-ce qu'on fait pour avoir plus ou moins 3 kilos? Alors on va dire, regarde, viens. On va prendre un objet lourd qu'on a à la maison. En l'occurrence, ils ont pris un kopit, une hache, une hachette, comme on peut avoir un marteau, comme on peut avoir... Et alors là, du coup, je vais le peser. Alors Rabbi Yehuda me dit... T'as pas le droit de le peser contre un poids. T'as pas le droit de sortir les poids. Tu vas mettre à ça, ça va peser 3 kilos. Non. Mais tu veux dire que ça a le même poids que le gros marteau, par exemple. Et après, une fois que Yom Tov va finir, on va peser le marteau, on va dire, ah regarde, le marteau il pèse 3,5 kg. Donc tu as pris pour 3,5 kg. D'accord? Comme ça, Rabbi Yehuda nous permet de faire. On fait ça dans les mots. Rabbi Yehuda Omer, Shokel Adam, Bassar Kenegadakli. Un homme pourra peser la viande en contrebalançant avec un cli, avec un ustensile. Au Kenegadakofit, ou bien contre un ustensile plus long qui est la hache. Ok? Bah, Chachamim, tandis que Chachamim disent,
En mashgirin mekaf mozen kon ikar. En aucun cas, tu ne touches pas la balance pendant Yom Tov pour faire du commerce. Même si c'est pour ne le peser de manière atypique, complètement en la pesant avec un ustensile, malgré tout, on ne s'approche pas de la balance. La Mishnah, la Gemara détaille même l'insistance. En mashgirin, on ne regarde même pas la balance pendant Yom Tov. C'est venu inclure un cas supplémentaire qui est venu m'apprendre que même si tu veux juste. La balance est un peu suspendue. Tu vas prendre ta viande, tu vas la poser dessus pour que les animaux rampants ne vont pas se mettre à monter sur l'animal, sur la viande. Ouais, pour ne pas qu'il y ait des rats qui vont t'advenir. Tu la mets sur le kafosnaim. Même ça, Rami me dit, tu n'approches pas la balance du tout pendant Yom Tov, de peur que tu vas être amené à faire du commerce, bien sûr. Donc tu ne l'approches pas d'aucune manière. Tu ne pourras que accrocher à l'animal. Et voilà, d'accord. Et donc, estimer, c'est-à-dire si vous étiez deux associés, on a estimé que ça fait plus ou moins un tiers, deux tiers, c'est à faire des valeurs équitables, ou voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov.